Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'une commande que j'ai faite sur AliExpress du vendeur Handcraft d'Épaistor. Donc en fait, je vous explique pourquoi j'ai fait cette commande. Donc en fait, j'avais commandé chez lui le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé le rouleau et donc il était arrivé cassé. Donc là, on voit bien qu'il est complètement fissuré. Et donc du coup, forcément, pour aplatir et tout ça, voilà, vous voyez bien rien quand je fais ça, en fait. Donc voilà, quoi, il s'ouvre. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Et donc du coup, j'avais ouvert un litige et il m'avait dit que si je repassais une commande, en fait, il m'en mettrait un nouveau dans le colis. Donc, mon colis, il est là, j'ai pas encore ouvert. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un doute qu'ils me l'ont mis dedans. Donc bon, on va voir. On va ouvrir ça tout de suite. Donc en fait, j'ai commandé deux articles. C'est scotché dedans. Ouais, ben c'est bien ce que je pensais, ils ne l'ont pas mis dedans. Effectivement, le rouleau n'est pas dedans. Donc ça, déjà, ben je vais râler, hein, forcément. Et donc, j'ai acheté un lot de piluliers. Donc, ces deux boîtes de rangement donc, étaient au prix de 6,19 €. Donc il y a 28 grilles à l'intérieur. Et donc franchement c'était un lot de deux. Ils ont même mis les étiquettes avec. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Que je trouve comment ça s'ouvre. Donc a priori ça s'ouvre comme ça. Donc là déjà ben, le truc il est pété hein. Pour ouvrir celui-là là il est entier mais là l'ouverture le merdier il est pété hein. Donc ça voilà c'est franchement super quoi. Et donc les piluliers, c'est comme ça. Donc c'est des petites boîtes où on peut mettre les diamants à l'intérieur. Purée, c'est bien fermé ce truc. Manque c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Donc voilà. Donc pour mettre les diamants dessus. Enfin l'intérieur plutôt dit, pas dessus. Donc voilà, bon, ça fait, il y en a un qui ferme et l'autre est cassé. Je vais tout de suite regarder. Si le deuxième il est aussi cassé, là, je ne vais pas ouvrir les deux. Bah si, je vais les ouvrir pour regarder. Donc là, celui-là, là, c'est bon. Celui-là, là, il est entier. On a bien donc les deux trucs à ouvrir. Ouais, effectivement, c'est dur à ouvrir, mais bon, voilà quoi. Et donc les 28 piluliers. Et on a deux trucs d'étiquette en fait pour coller dessus hein, sur les boîtes. Voilà, ça c'est ma petite câline et j'ai encore pris une toile. Alors en fait j'ai pris cette toile pour ma maman. Là j'ai des diamants qui se baladent. Donc je vais surtout le garder de côté parce que je ne sais pas d'où il vient. J'ai pris une petite toile pour ma maman. Je ne sais pas que vous la voyez tout de suite. Elle est assez petite. Donc voilà, j'aimerais bien que Kaline, tu t'enlèves, s'il te plaît, Fifi. Hop,
Allez, ma chérie. Mais non. Je veux que tu t'enlèves, bébé. Oui, il y a des élastiques. Ah bah oui, forcément, les élastiques, ça, c'est rigolo. Donc, on retrouve un toolkit de base. Il n'y a même pas de sachet dedans. On a notre barquette, notre stylet et notre colle. Ah bah oui, effectivement. Donc, en fait, ils sont dans les sachets zippés, les diamants, c'est pour ça. Non, mais là, Kaline, je ne suis pas d'accord. Non, ma puce, s'il te plaît. Alors, et là, je vais vous montrer la toile. Donc, la toile, elle est comme ça. C'est une toile avec des roses. Il y a des papillons et des roses. Donc, je vais vous montrer, c'est quel côté, c'est ce côté. Donc, en fait, elle est comme ça, la photo. Donc, c'est une 30 par 30. On a 10, combien? 18? Ouais, 18 couleurs. On a 18 couleurs. Donc, elle colle, mais ouais, sans plus. Elle colle sans plus, quoi, cette toile, ouais. Par contre, on a les couleurs, elles sont trop belles. Les couleurs, elles sont trop belles, je vais ouvrir. Si j'y arrive. Alors, voilà. Donc, je vais ouvrir. On a une feuille de route. Ah, du coup, je voulais vous dire aussi qu'on a les DLC sur notre toile. Donc, ça, c'est chouette. Et ma câline, ma pupuce, je t'adore, mais là, non. Donc là, on a une feuille de route. Donc, on a quoi dessus? On a les couleurs, on a les DMC. Je pense qu'on a sur cette colonne le nombre de diamants qu'on a besoin sur notre toile et que là on a le nombre de diamants qui est dans les sachets, j'imagine quoi. Donc en fait on en a toujours plus, donc ça ouf. De toute façon il faut tout que je vérifie. Donc, je vais juste regarder les diamants, ils sont super petits. Ils sont hyper petits, les diamants. Ils sont super petits. Mais ils m'ont l'air pas mal. Ils m'ont l'air pas mal. J'ai un petit peu regardé les couleurs. Je ne vais pas. Parce qu'ils sont classés, en fait. Donc, je vais juste en sortir quelques-uns pour vous montrer les couleurs. On a du rose. Un autre rose. De toute façon, c'est vraiment les couleurs principales. De toute façon, le rose, le violet. Oui, ma Caline, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est encore un autre rose. Il est super. Un violet, pardon, pas un rose. Il est super joli. Oui, non, mais Caline, non. Ça, c'est un vert clair, ma chérie. Ça va pas du tout. Ça, c'est un. Non, tu vas me faire un trou dedans. Ça, c'est un bleu vert. Il est trop beau. Un autre violet. Non, Kaline. Ça, c'est un bleu. Non, c'est pas possible. Avec Kaline, c'est super les vidéos. Hein. Donc là, je vais les remettre. Je vais vous prendre là derrière aussi. Il y a des super belles couleurs. Je vais vous les montrer comme ça. Donc un bleu. Un violet. On a encore un rose. Non, Kaline! Désolée pour le cri. Encore un rose. Un violet clair. Non, Kaline, c'est pas pour toi, chérie. Un violet clair. Un violet un peu plus foncé. Et donc, voilà plus ou moins toutes les couleurs.
je vais les ranger parce que la Karine elle devient dingue. Hop, je vais ranger ma feuille de route. De toute façon, après, je vais ressortir tous les diamants. Faut que je coche, faut que je regarde que j'ai tout. Mais en tout cas, je vais faire ça après en off. Parce que là, c'est pas la peine. Je voulais le faire avec vous. Mais bon, là, c'est pas possible. Avec Galine à côté, laisse tomber. Je vais faire ça sur ma table. Parce que là, sur la petite table basse, ça va pas trop bien. Donc, voilà. Donc, la toile. Est-ce qu'on voit bien les numéros franchement. Ouais. Plus ou moins. Ouais, franchement, on voit bien. Je ne sais pas si vous voyez d'un peu plus près. On voit assez bien les différents symboles. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, si moi, quand j'ai le nez dessus, ouais, je trouve qu'on voit assez bien les symboles. Mais bon, voilà, je suis un peu mitigée sur ce vendeur. Parce que, comme dit, première commande, le rouleau qui arrive pété. Donc, ils me promettent d'en mettre un dans une deuxième commande. Si j'en fais une, bah voilà. Deuxième commande a été faite, mais le rouleau, il n'est pas dedans. Donc voilà, ça c'est super négatif, je trouve, pour un service après-vente. Là, je prends les boîtes de rangement. Il y en a une où la fermeture, elle est pétée. Après, voilà, c'est... Honnêtement, je ne vais pas ouvrir un litige pour ça. Ce n'est pas franchement hyper grave. Je veux dire, les boîtes, elles ont rien, quoi. Je veux dire, c'est juste la boîte principale. Mais bon... c'est pas vendeur, quoi, un truc comme ça, quand ça arrive pété, et que, voilà, service client, me disent, voilà, on vous donne un rouleau, bah non, finalement, ils en donnent pas. La toile, franchement, elle est jolie et tout, les couleurs sont bien nickel et tout, par contre, elle colle bof. Elle colle bof, voilà, ça colle, mais bon, sans plus. Voilà, ah, j'ai oublié de vous dire, je le vois juste maintenant, en fait, il y a un multiplaceur de 3 sur le stylet. Donc voilà, franchement, je ne sais pas quoi vous dire sur Handcraft DP Store. Moi, sérieusement, c'est terminé, je n'achèterai plus chez eux. Parce que, bah, en fait, ils se sont bien foutus de moi, donc non, franchement, voilà. J'ai oublié de vous dire, donc les boîtes de rangement, je vous ai dit, c'est 6,19€, donc le lot de 2. Et le DP, donc avec les fleurs, donc il était à 5,75€. J'ai passé cette commande le 2 octobre et je l'ai reçue aujourd'hui, on est le 24. Et donc elle a pris 22 jours pour arriver. Donc ça, c'est correct, hein, 22 jours, ça va, franchement... Ouais, c'est correct, mais bon, voilà. Service après-vente, 0. Donc, voilà. C'est tout ce que je dirais. Moi, je recommande absolument pas du tout ce vendeur. Et voilà, je suis déçue. Mais bon, voilà, j'ai mes boîtes de rangement. Ça va pour le lot de 2, 6€. Ouais, ça me fait 3€ la boîte. Franchement, ça, c'est correct. Et puis, 5,75€ pour le DP, c'est bien. Donc ça, celui-là, donc je l'ai pris pour offrir à Noël à ma maman. Je pense que je lui prendrai encore autre chose. Et j'espère que les diamants, ils iront bien pour poser parce que je les trouve, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, je les trouve vachement petits. Je les trouve petits, alors je sais pas si, voilà. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de les trouver plus petits que d'habitude. C'est des diamants ronds, hein, maman, ça vous l'avez vu. Mais bon, quoi, enfin, franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. Les couleurs, franchement, elles sont au top. C'est vraiment... Et en plus, j'ai choisi violet parce que ben, moi, j'adore le violet, mais elle aussi. Donc, voilà. Et ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai pris.
Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, salut à tous, bye.